Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis la fin de ma cure thermale, le 11 juin, je n'ai pas refait de vidéo. C'est vrai que le retour a été un peu dur. Je savais que j'allais avoir de la fatigue puisque j'ai fait le centre de rééducation plus la cure. Mais ouais, le moral n'était pas là et j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal ouais, ces 3 dernières semaines. Encore il y a quelques jours, fait, je pleurais tout le temps. Donc c'est vrai que la fatigue. Alors je dormais déjà beaucoup avant. Mais j'ai l'impression de faire que dormir, quoi. Si j'ai pas mes 11 heures dans la nuit, je suis pas bien. Et si je fais pas ma sieste de l'après-midi de 2 ou 3 heures, fait calculer, ça fait pas beaucoup de temps. Hein. Il reste pas beaucoup de temps dans la journée pour profiter. Hein. Donc j'avoue ouais, que j'ai eu beaucoup de mal avec la fatigue. Mais bon. J'avais quand même mon conjoint et mon fils qui m'ont remonté le moral et qui étaient là. Je ne l'ai pas dit, mais cette semaine, c'était mon anniversaire et ça fait 19 ans là, cette année qu'on est ensemble avec mon compagnon et il m'a jamais fait. C'était juste une petite attention, mais il a invité quelques voisins. Le soir même de l'anniversaire et c'était une très belle attention, j'ai trouvé, parce qu'en 19 ans, il ne me l'a jamais fait, mais il a fait d'autres attentions, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est vrai que ça m'a remonté le moral un peu et puis j'ai pu discuter aussi avec. J'ai pu discuter un peu avec des personnes et tout ça, donc. Donc, je ne suis pas encore, je ne sais pas si on peut dire remis, mais j'ai pris des rendez-vous, tout ça, mais je pense que c'est juste pour compléter. Ce n'est pas très grave, je pense, mais je n'ai pas aimé me voir dans cet état-là et je ne veux pas revivre ça, quoi. Donc voilà, et puis bon, il fait très beau. J'espère aussi vous remettre mes petits bouquets que je fais pendant l'été et vous faire d'autres vidéos. Je pense à vous faire la vidéo pour finir celle du fauteuil roulant. Donc voilà, j'espère que vous aussi. Si vous êtes fatigué, dites-moi comment vous faites. Je sais qu'il y a le sport et tout ça, mais bon, moi, j'en fais un peu, mais je dirais pas pire quand j'en fais beaucoup, mais je sens la fatigue et tout. Donc, c'est vrai que je suis restée à me reposer souvent. Après, c'est la bonne solution, je n'en sais rien. Mais j'aimerais bien avoir vos retours, savoir vous comment vous faites et pour le moral et tout, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt, j'espère. Au revoir.